Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream. Comment allez-vous les gars? C'est là. Ça va? Comment ça va? Ouais, là, je regarde parce que tu vois, là, ici, là, c'est là qu'il y a le chat. Tu vois? Des fois que vous trouveriez impoli que je vous regarde pas en face quand je vous parle. C'est parce que je suis là. Salut Didier, Sylvain, Dimitri, Didier, Ange, Seb, Christophe, Gérald, Olivier, mon ami Didier Doquier, là c'est parfait, Kikinoux, Claude, Ange, la forme, ouais, impeccable, on va travailler là-dessus, on va mettre le blanc là, sur ça et ça, je voulais faire ça au moins aujourd'hui. Jean-Pascal, salut cousin, yes, Lefebvre. On doit être cousin, c'est obligatoire. On attend un peu que tout le monde se réveille. Vous avez vu la vidéo sur le concours sur Plastic Dream 2023. N'oubliez pas de mettre... votre pseudo YouTube sur la photo. Owen, tu vas bien, David, Philippe, Kikino, Didier, tu te lèves tôt le matin? Ah oui, 4h30, 5h. Et je me couche en 22h et j'ai besoin de 6h de sommeil. 7h quand je travaille, là je travaille pas. Je fais une sieste de 3 quarts d'heure l'après-midi. Ça me suffit amplement. Ah zut, la demoiselle est toujours pas là, c'est une arnaque. Mais non, elle est là. Je peux pas la filmer, ça coûte cher de filmer Gal Gadot là. Elle demande 3 millions de dollars par film. La 2 minutes, tac, hop, 15 000 euros. Donc du coup, elle est derrière la porte là. Salut François, salut Seb, je suis un nouveau souscripteur, je mange toutes les vidéos Didier. Mais comment ça se fait que t'es en bleu? Ah c'est pas le même Seb? Ah bah non, c'est pas l'autre Seb, c'est un autre Seb, on a deux Seb maintenant. Donc on a Seb 57, et maintenant on a un Seb tout court. Donc t'es un nouveau souscripteur, donc est-ce que ça marche ça? Oh yeah! C'est pour toi Seb! La petite elle danse là, en train de faire l'artifice et tout. Hein. Ça aussi, ça me coûte un peu de monstre. Voilà. Impeccable. Salut Floppy. Salut Matt. La forme. Ouais, t'as reçu ton bouquin? C'est toi qui as reçu ton bouquin là. Hein. Petit vénard là. Tu sais que c'est interdit. Ça... Oh, non, c'est pas toi, c'est Fred. C'est Fred Repars qui l'a reçu. Petit vénard, c'est interdit normalement de recevoir des trucs avant moi. Hein. Ouais, c'est Fred. Mais un seul floppy, ouais. Ah oui, j'ai mis le t-shirt de notre ami Bryce. Hein. C'est un t-shirt qu'il a fait faire avec son petit avion là, qu'il est en train de faire. Moi, t'as commandé hier soir, ouais, ça faisait un peu juste pour la livraison aujourd'hui. Toi aussi, copie pas encore? Bon. Ouais, je vais d'abord emprunter, enfin, voir ce que ça vaut avant de commander. Bon, on va mettre du blanc là-dessus. Donc, hier, on a fait le pré-ombrage, c'est bien sec. Donc, on va d'abord faire ça. Et après, on fera ça. Alors, pour masquer, on va passer en semi comme ça. On est bien là? Ouais, on me voit en plus, regarde. Voilà. Les petits pouces, les gars, on est une centaine en ligne, et il y a 23 pouces. C'est important. Sinon, pour les replays, après, les autres, ceux qui ne connaissent pas Plastic Dream, ils ne trouvent pas la vidéo. Plus il y a de petits likes, plus
plus YouTube va proposer la vidéo à des jeunes maquettistes, tu vois. Voilà les gars, c'est bien, ça monte 40. Bon alors voilà, pour masquer, il y a ça, vous connaissez? C'est Tamiya qui fait ça, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui font ça. Hein. Tu vois, bon, vous pouvez trouver chez 362, bien évidemment. Ok. Alors tu vois, le système est pas mal. Après, je vais vous montrer l'autre façon, hein, mais là, c'est une façon un peu bobo. Ah, bobo. Je vous montre le produit. Voilà. Bon, il y en a plein d'entre vous qui connaissent, hein. C'est juste pour là. Il y a certains débutants, ils ne connaissent pas ce genre de truc. Salut Rémi, tu vas bien? Voilà, alors on coupe au ciseau. Voilà. Ouais, et après, on, hop, ça protège. Tu vois, trop bien. Normalement, ça se... Attends, bref, ça c'est, tu vois, c'est suffisant, ça protège, t'as pas besoin de, voilà, tranquille. On va en mettre un de l'autre côté, et après sur les côtés, je vais vous montrer une autre technique, c'est facile. Ça existe dans tous les rayons peinture de matériel de bricolage. Ah ouais, c'est vrai Didier? J'ai pas fait gaffe qu'ils avaient ça, mon bricotruc là. Possible, hein. Si mon ami Didier Doquier le dit, c'est que c'est vrai. Rémi, toujours dans ses figurines. J'ai utilisé les mêmes protections quand j'ai refait la peinture de mon appart. Et dans plusieurs dimensions. Et ben, écoute, je regarderai le prochain coup parce que comme ça, on ne sera peut-être pas obligé de prendre du tam-tam à chaque fois, quoi. Voilà, pour les débutants qui ne connaissent pas, l'autre solution, bien évidemment. Tu vois, on va couper un bout de sopalin en deux, là. Ouais, c'est super pratique. Mais je regarderai au Bricorama, j'entends, mais ouais. Ça coûtera toujours moins cher que le... que le tam-tam, quoi. C'est évident, hein. J'ai jamais fait gaffe. Tu me diras, j'ai peut-être pas regardé comme il faut, hein. Voilà, la solution, c'est le sopalin, machin, un bout de bon cache, là, et puis on coince le sopalin, et puis roule ma poule. Hop. Voilà. Tu vois, on est bon, là. Et là, on va passer une couche de blanc partout. Ok. Quel est le prix du tam-tam? Pff, alors là, je sais pas. Hein. Faut aller voir sur le site de Passion ou de Oups, là, mais je sais pas. Hein. J'ai pas fait la petite recherche avant le direct, là. Mais hors de prix, hein. Évidemment, c'est Tamiya. C'est du bon produit, ça marche bien, mais j'imagine que, tu vois... Et puis le rouleau, il a traversé la moitié de la planète. Bon. Ok, alors, le blanc, mon compresseur est bon. Je le mets là. Bon, on va faire le mélange juste ici. Ça, c'est belle. On va rester propre et ordonné. Comme on dit. Hein, je prends du blanc. Et comme j'ai fait plein de pré-ombrage, je vais tenter le blanc. Et puis de toute façon, après, je vais faire pas mal de... Tu vois, de jus, tout ça, donc je tâterai un peu mon jus si jamais... Voilà, donc là, pareil, hein, on va faire le mélange. Très rapidos. Et vous, les gars, ça va? Ça m'inquiète un peu, là? Tranquillement?
Allez-y les photos, hein, n'hésitez pas, hein, sur le Discord. On va aller y faire un petit tour après, évidemment. Voilà. Ça, j'ai tout ce qu'il faut. Peinture, je le fais hors caméra, mais vous avez l'habitude maintenant. Hop. Ouais, elle est grande ta rampe, Gérald. Hein, waouh. Pratiquement un mètre de long, hein, c'est ça. Hein, c'est super grand, hein. François, il bosse sur le concours hivernal, cool. Voilà. Alors. Ça, on va se régaler le jour du concours là, les résultats, tout ça, ça va être très simple. Moi j'ai préparé plein de petits cadeaux pour ceux, voilà, pour encourager non seulement les débutants. ...90 cm, le module sera... Le diorama sera en module, je pense. Ah bah oui. Je monte le MATV de chez RFM. Pardon. Sacré bête. Ah bah oui, oui, celui-là, il est... Je trouve qu'il est dur, celui-là. Je trouve qu'il est vachement dur. Faut être motivé, quoi. Grosse motivation. Allez, go. Aiguille de 0,4, toujours un bar des brouettes. Un bar 1, là, un bar 2. Donc, des petits voiles fins. On va tenter de garder évidemment le petit pré-ombrage qu'on a fait hier. Hein. Retourner un peu le truc. Ouais, il faut une belle motivation pour les MATV parce que il y a beaucoup de pièces, tout ça, c'est assez énorme. Hein. Je bosse sur un suçant de Revel au 1,72, nous dit Olivier. Salut Dick! Comment il va, mon ami Dick? Comment ça va en Bretagne? Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de vent, tout ça? Ça se remet un petit peu d'aplomb, tout ça? Vous êtes passé par une sacrée épreuve, là, les Bretons. Hein, et puis les Normands, et puis les gars de la Manche, là-haut, là. Ça a soufflé, hein. Xavier, toujours du vent en Bretagne. Voilà, ça suffit.
Ça va suffire, parce qu'après, je veux dire, je vais vachement le salir. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos de ce genre de truc, là, c'est hyper crade. Ça va, du vent et de la pluie, un peu de soleil entre les grains. Bon. Bref, la routine. T'es un vrai breton. Hein. T'es bien. Fier de ton coin. Voilà, moi ça me suffit. On pose l'aéro, on va vider un peu, on va nettoyer le temps qu'on prépare l'autre pièce. Hop. Voilà, voilà. Et on va, oui, je dis l'aéro un tout petit peu. Encore un coup des Anglois, oui. Bon, c'est pas eux aujourd'hui qui nous causent souci, hein. T'es d'accord, Dick? Dans le passé, oui, mais aujourd'hui, c'est plus eux. C'est plus les Anglois, nos... Voilà, cool. Alors, après, reste le dos de ça. Voilà. Salut Philippe. Salut Didier, sympa comme moi en ce moment, je vois. Ouais. Ouais. Ouais, toujours, c'est méfie des Anglois, on se méfie de tout le monde, mais ça va, en ce moment, ils nous cassent pas les pieds. C'est pas eux qui nous posent des problèmes. Alors, on va déjà préparer, on va la poser comme ça, yes. Et puis on va mettre un truc en dessous là, pour éviter... Ouais, c'est bien ça. Ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, pchip, 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 pchip. Alors... Rebelote. Alors pareil, hein, léger, léger, léger. Oh merde, vous avez vu? Heureusement, c'est pas tombé sur le modèle. Comme quoi, faut pas trop remplir la petite cup, tu vois. J'ai pas fait attention. Salut Balou, j'étais en train de regarder une vidéo sur les figurines. Ah, génial. Carpio, salut Carpio, je vous suis depuis mon parapluie. Mon parapluie tente au bord de l'eau, un peu de vent quand même. Ah, t'es en train de pêcher là, j'imagine.
Ah, pour 4 jours à la pêche. Ah, t'es un vrai fanat, toi. Et ça meurt un peu? J'ai reçu ce matin un tracteur d'artillerie US et acheté un Hurricane 2C Italeri. Il a l'air pas mal. Bah, monte-le déjà. Sur Italeri, des fois, on a des surprises. Ouais, je connais Balou. Ouais. Ah ouais, il fait des bustes et puis tout ça. Voilà. Ça suffit. J'arrive juste aujourd'hui, je te dirai ça mercredi. Yes. Putain, ouais, 4 jours de pêche. Pas sympa, hein, pour les fanas, c'est génial, hein. Bon. Rapidos, mon petit aéro. Maintenant, on va mettre sur bâtonnet les petits vérins là. Puis après, les peindres blancs aussi. Je les ai bien dégraissés. Je les ai donnés comme bon. Ah ouais, ben, c'est possible, hein. Les Taleris, ils ont sorti quelques kits. Sympa tout de même, hein. Ils font pas que du. Ok, donc voilà l'engin, on va laisser sécher un peu. Il y a tout le tour là, il y a des autocollants, des décales. Tu vois? Jaune, rouge, c'est les petites barres là, tout le tour. Là, des jus, un peu d'huile, graisseux, machin, plein de. Hop, hop, hop. Pareil pour le fond là. Des trucs et ça va être impeccable. Alors je vais sortir les petites pièces que j'ai rangées, je me souviens plus. Voilà. Cool. Je regarde mes trucs. Yes. Parfait. Bon. Donc on va donner un petit coup. Il m'en faut 2 comme ça, je crois. Juste 2 comme ça. Que je réfléchisse. Je sais que c'est pas mon fort, mais on va essayer. Alors 2, oui, comme ça, c'est ça. Mais eux. Hop. Ah, ça c'est tout. Donc tout ça, bon, c'est pas la poubelle, je vais le garder pour l'instant, je le jetterai vraiment quand le kit sera terminé, on sait jamais. Pour
fois de réfléchir. Mais ça ne me réussit pas toujours. Ça ne me réussit pas toujours. Bon, voilà. Donc, tout ça, à mettre sur les petits pics. Alors, le mieux, à mon avis, hein, quand c'est comme ça, là, c'est des petits cure-dents. Hein. Même parfois, même trop. Souvent, même trop, Floppy. C'est mon problème. Il n'est pas blanc de base, le déflecteur côté intérieur. Ben, on vient de faire quoi, Dick ? C'est blanc, là, non ? Moi, je crois que je vais les panne comme ça, quoi. Alors, Dick. C'est blanc, c'est pas chocolat. Salut Dominique, comment tu vas? Salut Paul. J'ai mal vu, ok. Oh là là, il pleut, hein. Hein? Voilà, genre comme ça, tu vois. Voilà. Hop. Comme ça, pchip, 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 je peins. Tu vois? Et puis après, on peut le poser tranquille pour sécher. Impeccable. Il y a bien du chocolat blanc. Oh, ouais. Le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Hein. Le chocolat blanc est fabriqué avec la coque. Tu vois ce que c'est qu'une fève de chocolat? Voilà. Et bien, une fois qu'on a ouvert la petite fève, il y a une petite écorce. On ouvre la petite fève. Après, on va la broyer et tout. C'est ça qui donne le chocolat noir. Enfin, normalement, c'est noir. Hein ? Ok ? Voilà. Et après, la coque. Donc, c'est pas du tout la fève de chocolat. La coque. Il y a quand même des micro-particules. Elle a quand même un petit goût. Alors, on la broie. On fait une espèce de pâte. On ajoute plein de merde dedans. C'est de la vraie merde, le chocolat blanc. Hein. Et puis on vous vend ça comme du chocolat blanc, mais c'est pas du chocolat. Il y a 0 g de fèves de chocolat dedans, c'est que des écorces. La petite peau de la fève là. Et les produits qu'ils rajoutent, je te raconte pas. Hein. Les kilos aux fesses, bonjour. Enfin, tu vois. Ils rajoutent pas du fromage blanc 0%. Hein. C'est que des merdes, tu vois, l'huile de palme, des saloperies. Ah, le chocolat blanc, faut jamais manger ça. Si vous tenez à votre santé un tout petit peu. Salut Seb. Ah, maintenant, je vais devoir dire Seb57, parce qu'on a un autre Seb là, qui vient de s'inscrire, Seb57. Donc maintenant, je peux plus dire Seb. Ouais, puis le beurre de cacao, tout ça. Enfin, tu vois, c'est pas ce que les gens comprennent quand ils parlent de vrai chocolat, quoi. Oui, c'est comme le steak haché, oui, un peu. Le steak haché de mauvaise qualité, c'est 20% de viande, et puis le reste, c'est des tendons, des machins broyés, tu vois, des bouts de... Quand il racle la peau, là, la merde, quoi. Un peu de poudre d'os, et roule ma poule. Salut, mon ami Thierry, comment tu vas? Je suis depuis le début. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a de la Formule 1, c'est ça, ton excuse. Hein? Dis-le, Seb57. De la crotte hachée, ouais. Un vrai steak haché, ben normalement c'est du muscle, hein. 100% muscle, haché, voilà. Mais les steaks McDo, là, il y a 30% de viande, le reste c'est du tendon, tu vois, de l'os, de machin, de ci, toutes les merdes possibles, imaginables. Oui, F1 et 8 heures d'endurance auto plus le direct, ça fait beaucoup d'écran. Ah merde.
me diras, le replay Plastic Dream, t'as le replay, hein, donc, enfin, tu vois, le direct Plastic Dream, donc tu peux regarder si t'as... Si t'as quatre écrans à regarder en même temps, voilà, il faudrait pas que tu nous fasses un AVC en direct, quoi, tu vois, tu vas péter le... le cerveau qui va... Voilà. Alors on m'a demandé dans une question là, en dessous de mon dernier direct, c'est quoi les pinces là, c'est quoi, où tu les achetais, machin. Dans tous les magasins d'art, c'est des trucs pour le... Ça, c'est des pinces papier, ça, pour les dessinateurs. Il y en existe de toutes les tailles. Tu vois, là, j'en ai une petite, j'en ai plein des petites comme ça. Ah. Mais ça existe jusqu'à cette taille-là. Là, c'est pour bloquer des feuilles de dessin sur des chevalets, des choses comme ça. Ça coûte que dalle, hein. Ça, un paquet de 20, ça coûte 3 euros, quoi. C'est que dalle, hein. Et ça, c'est des pinces crocodiles, en électronique, en tu vois. Et ça, tu trouves ça, bah voilà, magasin d'électronique, Amazon, tu vois. Et toujours avoir plein de petits trucs comme ça. Ça aide vachement à tout ce que tu fais en maquettisme. J'ai pensé à toi, Floppy, j'ai regardé une vidéo sur Gaza, il y avait un convoi de camions chargés de Merkava. Ouais, alors dans Gaza, les Merkava, ils sont plus sur les camions. Hein. C'est pour les transporter du nord au sud, ou du sud au nord, ou de l'est à l'ouest, sur des grandes distances. Mais dès qu'ils arrivent à la zone de combat, le camion, c'est fini. Hein. Tu les trouves aussi dans les magazines, dans les magasins de matériel libre. Oui, aussi. Il y a plein d'endroits où ça se trouve. Hein. Ce sont des camions civils. Ouais, c'est des camions... Je crois que c'est des camions MAN. On en avait parlé une fois avec notre ami Didier Dioquet, il y a longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens, Didier. Parce qu'on rêvait, enfin, on voulait faire une toile maquette avec le camion, puis les Merkava dessus. Et puis, il n'existe pas ce camion-là au 35e. C'est des camions MAN, je crois. M-A-N. Si je trouve la vidéo, je t'envoie le lien de la vidéo. Oui, il y a plein, quand tu regardes les préparations de Zahal en ce moment, tout ça, ce qui se passe en Israël, on voit souvent hein, ce genre de camion avec des Merkava dessus. Ou... Voilà, donc mes petites pièces sont prêtes, ma peinture est prête. On remet le petit truc. Là, je prépare. Alors ça, est-ce que c'est bon, ça? Yes, c'est sec, tu vois, c'est beau, hein. C'est trop bien. Alors, je prépare ma petite truc à côté pour poser mes petits trucs dessus, hein. Ça va être pas. Salut Arnaud! Salut Laurent! Voilà, alors toujours mon petit aéro, ma petite peinture blanche. J'en ai vraiment plus beaucoup, mais on va essayer de... Ah, Mac, Volvo et Mac, ok. C'est vrai? Plus le système de grillage. Oui. Ça, ça doit être mis sur le terrain. Je pense pas qu'il soit mis sur les camions. Thank you.
Je sais pas si tu as eu un message sur WhatsApp, je t'ai mis à côté le tome 4. Oui, j'ai vu, j'ai pas le temps de te répondre, c'était juste avant mon direct. Je t'ai mis un petit pouce en dessous de la, tu vois, de la photo. Merci beaucoup Thierry. C'est génial. Génial. Top. Comme ça, le prochain, je vais acheter le 2, le mois d'après, le 3, tu vois. Et le 4, et ben voilà, je n'aurais pas besoin de l'acheter. Génial, merci beaucoup. Laurent, j'ai passé ma première commande chez Passion. Ouais, sympa. Voilà, là, il prépare, j'ai eu Passion au téléphone, là, il prépare Noël, hein. Les cadeaux de Noël. Donc, commencez à économiser, là, parce que... Si c'est la même folie que l'année dernière, ça va être chaud. Le problème est que je me suis fait... hameçonner. Ah ouais, merde. Putain, moi ça m'est jamais arrivé. Pourtant, crois-moi que je commande en ligne. Hein. Pratiquement tout. Hein. Et j'ai jamais eu un seul souci de carte bleue. J'ai du bol en fait. Hein. Ouais, bah moi aussi normalement c'est au mur. Hein, mais il faut que je travaille quoi. Tant que je travaille pas. Voilà, c'est bon, je reprends dans 3 semaines, mais. Si au mois de mai l'année prochaine j'ai mon boulot et tout, machin, tout va bien. Alors moi je rêve d'aller à Saumur et de vous voir les gars. Hein. J'étais malheureux cette année de ne pas pouvoir y aller. Hein. Salut Lionel. Ouais, moi je paye. Enfin, 90% de mes achats, c'est PayPal. Hein. Il n'y a que mon loyer que je dois payer direct carte bleue, mais tout le reste c'est PayPal. Ah, t'as perdu plus de 1000 euros, ça fait mal au cul. Ah merde. Et ta banque, t'as pas pu faire quelque chose? CB de loyer, toi Didier. Comment ça, Kikinux? En français, s'il te plaît. T'as CB de loyer. Ouais, mon loyer, je peux le payer en CB, je le paye en CB. Ça évite les factures papier, ça évite le plein de trucs. Et tranquille, mais ils n'ont pas de PayPal ou rien du tout sur le site, tu vois, c'est un truc privé. Non, c'est bien sécurisé, hein, c'est le truc de l'État. C'est un truc de, tu vois. Il y a code, deuxième code, plus à chaque fois que je me connecte, il me demande sur mon téléphone, est-ce que vous avez bien... C'est vous qui avez fait telle opération? Oui, oui, machin, hop, il faut remettre le code. Normalement. Normalement, c'est assez sécurisé. Mince, moi j'ai eu un achat de billet de train 380 mais remboursé. Ouais, si tu trouves que... Ouais, à Paris c'est cher. Ben, ici c'est à peu près 800 balles en Suède. Et encore, hein, moi je suis avantagé. Hein. Je fais un truc Paris Habitat, c'est un délogement, tu vois. Délogement pas cher, enfin pas cher, en location pas cher. Un appart comme celui que j'ai là, près de la place d'Italie, en plein Paris, dans le privé, on approche les 1700-1800 euros, moi net. Et moi je paye 800 balles. Il y a tout dedans, hein. Chauffage, charge, ascenseur, tout. Faut juste que je rajoute
évidemment, l'EDF et le gaz, évidemment. Et puis mais le téléphone, tout ça, évidemment, tu vois, l'internet. Mais c'est... Dans le privé, un appart comme celui que j'ai, là, c'est... Ouais. Je le sais parce que j'ai un pote qui habite là en face, à l'autre côté, là-bas, où on était, l'atelier était avant, là. En face, on voyait des appartements privés, parce qu'à côté, il y a une résidence avec des... Des résidences privées. Il y en a qui étaient en location, je connaissais un gars, là. Il avait à peu près la même surface que moi. Et il payait 1800 balles. Quoi. 1000 balles de plus. Eric, un petit bonjour vite fait, départ pour les US demain matin. Ah, tu vas aux US pour le boulot, j'imagine. Paiement automatique, ah non, moi je fais jamais aucun paiement automatique. Aucun. Je n'aime pas ça, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai à peu près 100 mètres, enfin, je vois un petit 100 mètres carrés. Deux fois par mois, l'info s'arrête de mon fils qui s'est fait pirater avec le Nitro Discord, plusieurs centaines d'euros, pas toujours remboursé. Ah ouais. Mais sur le Discord, il n'a pas fait par PayPal, Julien. Moi j'ai fait PayPal, tu vois, et ça protège ça quand même. Ah bah ouais, Seb. Oui, évidemment, si j'étais en province, j'aurais acheté, hein. À Paris, c'était pas possible. Merci Lionel, t'as mis ton nom sur le concours, sur les photos. Hein. Je l'ai demandé ce matin dans les vidéos. Super Lionel, super. Merci à toi. Voilà, tu vois, petit à petit, hein, les petites pièces. Ça, c'est arrivé deux fois, Julien. Putain, moi, jamais, même pas une seule. J'ai eu du bol, en fait. Hein. Mais moi, je prends toujours toutes les options de sécurité, là, tu sais. Il faut rentrer le code, plus, après, ça m'envoie un truc sur le téléphone. Que si je réponds pas, ben c'est pas, ça marche pas, tu vois. Donc sur le téléphone, il faut que je re-rentre mon code secret, etc., etc. Voilà. Ben, je crois qu'on est bon là, les gars. Il n'y a plus rien. On va vérifier l'autre truc, là, voir si c'est bien. Là, tu vois, regarde, voilà. Ça. Mon faux internet, c'était via PayPal. J'ai été remboursé, mais radié de PayPal. Je ne peux plus avoir de compte. Ah ouais? Il te radie de PayPal quand t'as fait ça. Bah, c'est pas de ta faute. C'est dingue, ça. Tu y es pour rien. Oh oui, Rémi, c'est bon. Salut Guillaume. Depuis, je ne paie que par carte, double sécurité plus assurance. Bah ouais, ouais. Moi, j'ai même configuré quand il y a des opérations de plus de... Alors, je sais plus si j'ai mis à 500 balles ou je sais pas quoi. Il faut la triple machin parce qu'après, il t'en renvoie un. Il faut mettre ta... Tu sais, sur le téléphone, j'ai le truc avec l'empreinte, là. Bah, je sécurise au maximum, quoi. Salut Jean-Luc. Bah, les deux Jean-Luc qui arrivent en même temps. Bon, regardons ça là. Donc ça, on avait vu, c'est bon. Ça va faire l'affaire. Tout ça, ça sera au X22 après, tu vois. Alors le petit pignon là. Là, faut que je mette un petit coup de... J'ai du bar métal, là. J'essaierai bien le bar métal pour changer. Une fois que tout sera fait, le watering et tout, tu vois. Il y a un petit piston qui est censé être très brillant, comme tous les pistons. Une petite bande de bar métal là, puis hop, on l'enroule vite fait, juste à la fin, tu vois. Et ça, ça brille parfait, ça. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis on a fait ça là. Tu vois. Et là, moi, ça me suffit.
tu vois. 2-3 voiles de blanc léger. Et ça va être top moumoute. Ça a débordé un tout petit peu là. C'est pas grave. Bon, je vais faire au pochoir, hein, on va tout enlever. Voilà, regarde, c'est beau. Salut Damien, tu vas bien? Pour pas se faire pirater, il faut faire tout payer par madame, c'est ça que tu dis, Seb? Ouais, c'est une solution aussi. Hein. C'est une solution. Un jour, ta femme va se mettre à regarder les directs, Seb. Hein? Et là, tu vas être bien dans la mousse. Hein? Bon voilà, donc on a ça qui va venir se plaquer là. Et puis on a tous les petits supports qui sont là. Voilà. Donc ça, du X22 partout. Et là après, après on assemble le truc. Enfin, avant on met les décales, après on assemble. Ouais, ça va venir en gros comme ça. Plein de tâches là, on va... ça va être sympa, cool. Faut que je commande une petite étiquette là, F14 Tomcat. Une petite étiquette en métal là, ça peut être sympathique ça. Je suis allé à côté, ouais, putain. On dit plus rien. Salut Michel. Je t'ai mis une photo du convoi turc sur Discord, Floppy, je cherche toujours pour le Merkava. Salut Floppy, oui super, et toi, pas de soucis, à tout, ok. Balou, tu n'utilises pas le super compte de chez AK, bah pas pour un petit truc comme ça, tu vois. Quand c'est une grosse surface, si un jour je dois faire des phares ou quelque chose à pare-choc, oui. Mais là, t'as vu comment c'est petit, Balou. C'est un millimètre, hein. Tu vois, un petit truc, un millimètre. Voilà. Barre métal, ça va aller mieux. On va aller voir sur Discord. Truc sympatoche. Alors, on monte. Le direct, il commence ici. Ok. Bon, je vais essayer de faire des sapins, nous dit François, pour mon diorama hivernal. Alors, je vais ranger. Je vais déplacer ça, là. Diorama hivernal, pas évident. Ouais, tu suis un tutoriel, oui, je vois quel tutoriel tu suis. Bah écoute, c'est bien parti là. Là après t'as la petite phase de petit et puis t'as la petite phase après de. Avec l'herbe statique, c'est ça François? Avancement de mon border. Oui, c'est ça. Ah, génial. Salut Jean-Pierre. Salut Pascal. Alors, le X22 est passé pour Mougli. Petit véhicule. Et puis, un vaisseau de science-fiction, le Aga quelque chose, hein. Kikinux, je vais en refaire un autre 3 temps, mais ça fait sympa avec celui-là déjà. Bah ouais. Alors Christophe, le Sukhoi 2 est peint depuis hier. Au 1,72, hein. L'Arcadia, oui, merci Floppy. L'Arcadia, j'avais oublié le nom. Là, je savais que c'était Arca quelque chose, mais l'Arcadia. Très sympa, Jean-Christophe. Convoi de l'armée turque.
Qu'est-ce qu'ils ont comme char, les Turcs? Je vois pas ce que c'est. Moi, je dois avoir des photos hein, de Merkel. Je peux regarder. Hein, avec la fusée. Ah ouais, sympa. Oh là là, le diorama. Ah, ça m'a l'air sympa, hein, c'était plein de véhicules, des figurines, tout ça, une belle disposition. En expo, tu vas attirer du monde avec ça, hein. C'est chouette, hein. Très sympa, Gérald. Alors, je regarde vite fait. Ne serait-ce que pour montrer un peu... Alors, Israël, il faut que je tape là-dessus. Tac, tac. Ça, c'est quoi, non? Je sais pas si j'en ai en fait en stock. Hein. Ok, ok. Pascal, on est 163 pendant le direct. Peut-on tous mettre un petit pouce? Ouais, ça serait sympa, les gars, de mettre un petit pouce. La vidéo, elle va être poussée comme ça en avant. Alors, j'essaye de... Ce serait très sympa, merci Pascal de le rappeler. C'est fou, sur YouTube, t'as même des vidéos de combat en direct. Ah ouais? Ah, c'est le travail de Philippe. Génial, Philippe. Je vais regarder dans mes photos de Merkava, il me semble que j'avais une photo d'un convoi. Non, j'ai pas. J'en avais plein une époque, et puis quand j'ai vu que je pouvais pas faire le camion parce qu'il n'existait pas, là, je sais pas, les photos, j'ai dû les... Soit je les ai archivées quelque part, soit... je vais vérifier, mais... Ouais, j'ai dû les archiver, à mon avis. Toi, Didier, Doké, je suis sûr que tu en as plein. Enfin, quelques-unes, en tout cas. Je fous tous mes dossiers, mais non. Bon, après, j'ai plein de documents PDF, hein, c'est peut-être là-dedans, hein, mais... Là, si je me mets à fouiller, j'en ai pour 10 bonnes minutes, et je vais pas vous embêter avec ça, quoi. J'avais, alors attends, Merkava, j'avais une photo, je cherche un deux petites secondes, soyez patients. Il semblait que j'avais, hein, mais j'ai dû vous dire, hein, j'ai dû le... Durant Merkava Mangash. Ouais. Je vais retourner dans mon Plastic Dream, dans mes projets en cours, dans le Merkava. Hein. Bon, bref, je ne les ai pas. Chaîne India Today. Voilà. Ok, merci Philippe pour ta photo. Quoi, Balou, c'est ça le char On va dire ta photo, elle nous aide pas. Char, photo est toute petite.
Je reviens sur un truc, la couleur, t'es sûr là, Philippe? T'as pris celle 38, 1938, c'est ça? C'est peut-être ta balance des blancs qui est mal. Est-ce que dans la réalité c'est comme ça ou c'est un peu plus gris? C'est la bonne teinte. Sur YouTube, Bilout. Là, t'es sur Discord. Bon. Ben voilà, les gars. Ça, je vais le jeter parce que j'ai mis un petit déchu. Bon. Alors, petit à petit, on avance sur le tome 4, comme vous avez pu le voir. C'est long, mais en faisant comme ça une petite heure... Ah, tu vois, regarde. Pourtant, j'ai fait attention, hein, j'ai mis du... Oh, le coca. En faisant petit à petit... rapidement. C'est un vert gris, d'accord, ok. Oh, Jean-Luc nous a mis réalisé il y a quelques mois. Eh, hey, très sympa, très très chouette. Voilà, donc un petit lavage rapide. On va le faire buller, bloup 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 bloup. On bloque ici, ça fait des bulles, c'est parfait. Un petit coton-tige. On le vide, hop, on renettoie. Un dernier pour être tranquille. Et voilà. Voilà. Ah ouais, la dernière fois, il y en a qui m'a demandé ça, là. Vous savez, pour mettre... il faut le remplir de flotte, hein, quand vous l'achetez. Déjà, ça le rend beaucoup plus lourd, donc il est beaucoup plus stable quand vous posez votre aéro dedans. Et puis, c'est fait pour le... normalement, quand moi, je fais le grand nettoyage, tu vois, je mets mon truc dedans et hop, ça part dedans. Ça se mélange à l'eau et de temps en temps, vous videz la flotte. Mais il faut le remplir, toi, là, il y a trois quarts d'eau dedans. Voilà. J'ai tout dit. Alors. On va regarder. Ah. Ah, Philippe qui nous remet une photo pour nous montrer la couleur. Alright. Bon, t'as encore tes jus, tout ça à faire, c'est ça? Ah, balure, voilà. C'est ça le char turc. Donc on appelle ça quoi? Un char kebab? Ça. «
Merci Jean-Luc. Ah bah voilà, ouais, là tu vois, c'est chargé. Ouais, tu sais, quand ils doivent transporter vite fait du nord au sud, du sud au nord, machin. Il n'y a rien de plus rapide que ça, hein. Et puis ils n'ont pas un réseau ferroviaire extraordinaire, hein, en Israël. Hein. Tu vois, c'est la route, hein. C'est un tout petit pays, hein, les gens ne se rendent pas compte, hein. Tu vois? Martin, un T-Fighter, c'est ça? C'est quoi, c'est un truc Bandai ou Rebelle, hein, c'est ça? Sympa. La photo dans le bon sens, oui. On avait vu quand même, hein, quand c'est pour voir la couleur. Il dit voilà encore, voilà, là, 109. Ça c'est des sacrés engins, hein, les chars. C'est des sacrés trucs. Hein. C'est pas vrai, voilà, et ce genre de camion 35. Et même la remorque, hein, tu vois, en résine peut-être. C'est un Volvo. Ouais, ouais, voilà, les routes en ce moment en Israël, c'est plutôt, c'est un peu comme ça, quoi. Il y a des convois partout. Tous les combien je change mon pot de colle Tamina? Tous les ans à peu près, Gérald. À peu près tous les ans. Même si la moitié, hein. Parce qu'à force d'être ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, il perd énormément de son pouvoir, elle perd énormément, pardon, de son pouvoir collant. Donc du coup, voilà, ça fait 5,50€, 6€ par an, quoi, de colle. J'en garde toujours un peu pour faire mes petits... quand je fais mes mélanges, tu sais, celle qui marche plus bien, je la garde pour faire mes mélanges quand je fais des mélanges avec le putty ou quand je mets un peu de plastique pour faire un peu de mastic maison. Un truc que je voulais montrer à ceux qui vont monter le Bismarck là. Vous savez, une fois j'avais reçu les petits bonhommes là, et je vous avais pas montré. Il y en a qui m'avaient dit est-ce que ça vaut le coup et tout ça. Malheureusement, il faut les trouver parce que j'ai acheté ça il y a un an. Tu vois, c'est le suite North Star Model. Tu vois, je vous mets là à ceux qui vont. Le site n'était pas dispo ce matin, alors je sais pas si c'est définitif ou c'est juste un petit peu. Pas pendant quelques temps, quoi, mais le site était pas dispo. Voilà, sinon faut faire un char ou à 16 pour finir la colle. Donc voilà, donc ils ont plusieurs séries là. J'ai la série 1 2 3, j'ai acheté les trois, tu vois. La première série c'est ça, donc c'est des marins, hein, au 1/200. Alors c'est quand même pas mal détaillé, je vais essayer de faire le gros zoom. Donc ça c'est de la résine classique, tu vois, dans les machines professionnelles là, tu vois. Alors il y a plusieurs là, ils sont tous en, tu sais, en position de machin là. Je vais en mettre quelques-uns, hein, sur le Bismarck, tu vois. Après il y en a 2-3 qui saluent là, tu vois, voilà. Bon, bref. Et puis après, leur dernière production, par contre, c'est dans des... Ben, vous allez reconnaître facilement, surtout ceux qui font de l'impression 3D. C'est plutôt comme ça, quoi. Tu vois. Et là, c'est sacrément détaillé, quoi. Tu vois. Là, il y en a qui balayent. Il y en a qui portent des caisses. Il n'y en a pas un identique.
enfin, j'exagère, il y en a peut-être deux identiques, mais tu vois, les caisses, notamment ceux qui portent les caisses, là. Voilà. Et ça va permettre sur le pont, tu vois, de mettre plein de trucs comme ça, tu vois, j'ai celui-là, hop, pardon, après j'ai celui-là, là, si, c'est des petits bonhommes au garde-à-vous, donc je vais pouvoir les mettre, tu vois, sur le côté, là, voilà, un 200e, et puis après j'ai tout cela, là. Voilà. Parce que avant ça, le seul truc qui existait, ben non, Floppy, malheureusement. J'ai été ce matin pour voir, hein. Tu vois le site là, wnorthstarmodel.com, le site il était down. Alors c'est en Latvia là, c'est Riga, c'est en, tu vois, c'est la Lituanie je crois, Latvia. Hein. C'est très très bien fait, ils sont vraiment super, hein. Mais j'aurais bien effectivement voulu acheter les fichiers numériques, ça aurait été génial. Parce que sinon, les seuls trucs qu'il y avait à vendre, c'était dans le... Ça, j'ai trouvé ça chez, sur Amazon, je crois. Hein. Tu vois? Alors, je sais pas si c'est les architectes qui utilisent ça. Mais là, ils sont beaucoup plus petits. Hein. Tu vois? Si j'en prends un, là... Bah ça, ouais, enfin plus petit. Ça va encore, tu vois. Disons que t'as un mec de 1m80 et l'autre t'as un mec de 1m70. Tu vois. Mais ça, c'était pour les. C'est pour les architectes, ça, tu vois. Il y en a, ils portent des sacs, là, l'autre ils portent des toits, c'est pour mettre dans les gares, dans les. Tu vois, des petits trucs comme ça. Et ça, c'est pareil, j'avais payé ça, il y en a plein, tu vois. Et j'avais payé ça. C'est plus 4€, 5€, quoi, ça coûte que dalle. Hein. Puis après j'ai trouvé ça, c'est quand même mieux. Peut-être que je mettrais un peu de comme ça aussi, mais moi je voudrais mettre plein de petits bonhommes, tu vois. Et pour peindre, ouais, là, faut pas peindre les pupilles. Hein. Je sais plus qui a dit ça là. Par les yeux, tu vas rigoler. L'arsenal, le site de vente, je crois qu'il n'y a pas de truc comme ça détaillé, quoi. En tout cas, dès que j'ai des infos, je le mettrai sur ma page, là, spécial Bismarck, là. Et puis, bah, ça, je vais verser ici, ça, j'ai pas besoin d'avoir plusieurs, tu vois. Voilà. Ça, je vais le découper parce que je vais le mettre en même temps, je veux que ça soit bien comme il faut. Hop, hop, hop. Ce qu'il faut, c'est l'adresse, hein. Voilà. Voilà pour le prochain montage pour le mois de janvier. Non, c'était 1-200 Floppy. J'avais trouvé ça, figurine 1-200. Ah, puis Alain, il s'y connaît, lui. Bah ouais. Il y a plusieurs fournisseurs, donc un en France. Par contre, les figurines que tu as sont très cassantes et au dégrappage. Oui, je vais faire très attention. Je vais en casser quelques-uns, c'est sûr. Bon, il faut aller sur le site de Black Cast Model. Oh, faut que je retienne ça. Tu peux me mettre le lien sur Discord, Alain, s'il te plaît ? Les figurines North Stars proviennent d'Ukraine, elles sont plus disponibles sur leur site. C'est dommage, j'ai bien fait de les commander alors. Salut Adam. Adam. Salut Thomas. Excuse-moi. Bon, voilà. Donc dès que j'ai des infos, on peut en commander d'autres, etc. Des trucs pour le. Je voudrais aussi commander, parce que j'ai regardé, ils font des petits canons là qu'il y a sur le.
Les petits canons anti-aériens qui n'ont pas servi à grand chose d'ailleurs, mais. Sur le Bismarck, j'ai vu qu'ils en faisaient aussi en résine. Salut Didier, pour les figurines de mon Titanic, je les ai commandées sur K-Model, c'est ça? Alors mettez-moi tous ces liens-là sur Discord, les gars, ça m'arrange, moi. Comme ça, je peux les retrouver facile et je vais aller y faire un petit tour. Alors... Oh, bah là, voilà, là, je dis, Didier, il arrive, et Seb, là. Ouais, regarde-moi ça. Voilà, il peut mettre deux M113, hein, c'est ça, hein. Après YouTube, je sais pas si je peux mettre une vidéo. Merci Merlin. Alors voilà, c'est un fabricant français qui est situé à Nantes. Tu trouveras aussi sur le site de Black Art Model. Tu as aussi l'artillerie pour ton Bismarck au 1350. Ouais, moi c'est l'1200. Salut Laurent, tu prends la route? Fais attention à toi. Hein. Ouais, tu vois, il y a vraiment tout comme bahut. Hein. Du Volvo, du MAN, du machin, comme disait Didier là tout à l'heure. Hein. Du Volvo. Voilà, c'est que du Volvo là. Merci Seb. Ah, c'est du Volvo. Ah, ça fait des sacrés combos. Hein. Photo que j'ai posté pour le avec le 109 sur la remorque, je pense qu'il s'agit d'un Kenworth comme celui-ci. Au 32, ouais, il y a trois unités d'écart, un 32, un 35. Ça va pas trop se voir, ça se voit pas avec les figurines parce qu'on peut toujours dire que tu vois c'est des gens trop plus grands ou plus petits, mais avec du véhicule comme ça. Ouais, non, je monte pas ça seul parce que je veux encore avoir des... Merci les gars pour vos liens. Je veux encore avoir des emails de... Parce que c'est systématique. À chaque fois que je fais de l'israélien, qu'on parle d'israélien, ou que je monte une maquette israélien, je reçois des mails... pas sympathiques. Je m'en fous, je les mets à la poubelle, un junk email, et je m'en occupe pas. Hein. C'est pas pour ça que je vais arrêter de faire de l'IF, mais surtout en ce moment, je fais attention. Il devait exister un modèle au 35. Ben non. Enfin, moi je sais qu'à une époque on était sur Tsal. Tu peux demander à Didier, on cherchait, on rêvait d'un truc comme ça au 35 et tout. Hein. Et niette. On trouvait pas, il n'y avait pas. C'est des fous les gens. Oui, c'est des fous les gens. Tu vois. Ben, c'est généralement des gens qui comprennent pas le hobby, ils comprennent pas l'univers, ils sont pas dans l'univers maquettiste, si tu veux. Tu vois,
quand je fais une vidéo du Merkava, dans le titre de ma vidéo, je marque Merkava, évidemment. Donc le mec, il fait une recherche, il doit trouver, tu vois, il voit ma vidéo au hasard, il voit bien que c'est des maquettes, mais c'est pas son univers, quoi. Donc pour lui, tu vois, c'est comme des voilà. Si tu ferais une maquette de BF-109, par exemple, et puis qu'on te dirait que t'es un pro nazi, quoi. Tu vois, voilà. Alors comme les nazis, c'était il y a longtemps, généralement, quand je fais des véhicules allemands, j'ai jamais eu de mail ou de problème comme ça. Mais quand je fais de l'IDF, j'ai toujours plein de mails de mecs pas contents. Kikinux, oui, je sais, on le sait depuis au moins 2 mois, Kikinux, que le site Friul va réouvrir. Alors, pour Passion, Friul sur Passion, il faut attendre, quoi. Il faut attendre que le site réouvre officiellement, et il faut attendre officiellement qu'il se réouvre à l'exportation. Voilà. Parce que d'après ce que j'ai compris, c'est compliqué, hein, moi j'ai pas de business, mais d'après ce que j'ai compris, Friul, c'est en Hongrie. La Hongrie est dans l'UE, mais pour l'instant, elle n'est pas autorisée à avoir l'euro. Elle n'a pas l'euro, c'est encore sa monnaie à elle. Parce que pour pouvoir passer à l'euro, il faut qu'elle ait atteint un certain niveau de PIB par rapport à... Enfin, c'est compliqué ce truc-là. Et il y a plusieurs pays, dont la Pologne, mais la Hongrie aussi, ils sont pas à l'euro. Donc ce qui fait qu'elle, quand ils exportent, quand ils vendent leurs trucs, il y a une conversion à faire. Et c'est un peu compliqué pour les questions d'export et tout ça, de numéro d'exportation. Enfin, tu vois, voilà. Donc voilà, en attente. En attente pour Passion. Sur la taille d'arrêteur, ça se joue à quelques centimètres. Bah ouais, mais quand même quelques centimètres. C'est énorme, non? Salut Sylvain! Ils sont pas dans l'univers de l'intelligence surtout. Oui, je te dis, je m'en occupe même pas. Hein, dès que je vois espèce de pop, je coupe et puis je le mets dans le junk mail et puis je suis tranquille. Ils sont pas dans l'espace Schengen et puis ils sont pas dans l'espace euro, quoi. Ils n'utilisent pas l'euro. C'est les Florins. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Tu y étais il y a 6 mois. Non, qu'est-ce que tu racontes? C'est une bêtise ou quoi, Kikinux? Faut que je fasse gaffe, je fais que de l'allemand. Non, là, l'allemand, les gens comprennent, je crois, tu vois. Parce que j'étais il y a longtemps et que c'est plus... Enfin, tu vois, voilà. Alors que là, surtout en ce moment, ce qui se passe... mon t-shirt IDF, j'évite en vidéo. Hein. Putain, même dehors, hein. Tu vois, quand il faisait beau, là, je ne le mettais pas dehors. Hein. Bon, les gars, merci d'être passé me faire un petit coucou. Ok, on va bien laisser sécher ça, là. Et puis, prochaine étape, est-ce que ça vaut le coup que je vous montre tout le passage du X22? Vous connaissez ça par cœur, non? Parce que j'ai tout le pont du porte-avions, là. Et j'ai tout le tome 4 avec toutes les pièces. Et après, nous, on vit ici et pas là-bas, et ça ne doit pas devenir notre propre dans notre société. Ben oui, mais tu sais, Kikino, tu sais comment ça se passe. Hein, tu ne peux pas promouvoir ton lieu d'habitation avec ton t-shirt IDF, je comprends pas. La conversion du Mark R de Verlinden était au A32 de chez Monogramme et ça ne choquait pas. Je mets une photo sur Discord, yes. Salut Jean-Pascal. Île-de-France. Ah oui, pardon. IDF Île-de-France. Ah ouais, pas mal l'idée. Comme ça, je suis dans la rue, il y a un gars qui me dit non, c'est Île-de-France, c'est pas IDF. Ah mais là c'est le t-shirt en hébreu et tout, donc là je peux pas. Ouais, merci à tous, merci d'être passé, merci pour vos photos, merci pour tout. Merci pour tout. Ok, et puis on se revoit très très bientôt. Donc je vais m'occuper le reste des cales.
Le X22, je vais le faire. Je vais le faire un petit peu hors caméra, un petit peu avec vous, on va voir ce que c'est long. Bon. Et puis après, on va attaquer les trucs intéressants, c'est les jus partout, quoi. Puis après, réassemblage, et hop, c'est fini. Nickel. Ok. Après, on finira le pont au calme, là, pareil, ça va être vite fait. Enfin, vite fait. Ça va prendre pas beaucoup de temps, parce qu'on est presque au bout. Hein. La résine, je voulais... Voilà. Et la résine, je vais le couler avec vous, parce que moi, c'est une grosse première. Et on va voir comment ça se passe. Normalement, ça devrait aller. J'ai acheté de l'acrylique épais là pour faire le tour et tout, comme j'ai vu dans les vidéos. J'ai pris plein de notes, donc normalement, bon, ça devrait le faire. Et on peut avoir des surprises. Ok. Ouais. Bon week-end, bonne fin de samedi. Alain, je te remercie pour tes liens, tout ça. Je reviendrai vers toi si j'ai des soucis avec mes bateaux, avec mon bateau au mois de janvier. L'année prochaine, j'en aurai besoin de toi, je crois. Parce que Alain est doué en bateau et moi, c'est mon premier. Alors voilà, si j'ai une petite interrogation, je n'hésiterai pas à faire appel à toi, Alain. Ah, on va regarder ça avant de partir. Merci, Didier. Alors, ça c'est quoi, Jean-Pierre, un gros travail de peinture va commencer. Panzer ou un 16, je n'ai pas encore choisi le camp. Bah, le camp, tu l'as choisi, hein, le panzer. Tu peux pas mettre un Panzer français ou belge. Hein. Tu vois. C'est la compagnie que tu n'as pas encore choisi. C'est ça. Voilà. Et là, le camion 1.32. Alors. Ouais, c'est vrai que ça choque pas terrible. Hein. Ça va un peu. Ah ouais. Donc le camion est au 32. Et le char est au 35. Et la petite Jeep au 35 aussi, j'imagine. Ouais, ça va, ça le fait. Hein. Quand tu le sais pas, faut vraiment être fin connaisseur, tu vois, connaître pour voir que le char, il doit être un peu... prendre un peu plus de place que sur le vrai. Ouais, ça le fait, hein. Ah ouais, nickel. Merci, Didier. Merci à toi pour les photos. Génial. Bon, les gars, je vous laisse. Je vous dis à très, très, très bientôt. Passez un bon week-end, bonne fin de week-end. Peut-être demain direct, on verra où j'en suis dans mes pérégrinations maquettistes. Et puis, je vous embrasse. Ok, à plus les gars, ciao.